Jeudi, à ce dimanche 24 décembre. Monsieur les Et c'est pour moi un plaisir pour nous capables de Ensemble, nous pourrons considérer et portion un sujet de la semaine. Le trimestre -là, nous avons eu un bel guide d'études qui était tout à fait intéressant. Et la mission de Dieu, ma mission, c'est un grand thème, ça, tout au trimestre -là, nous avons développé ensemble. Mais semaine nous connaissons déjà, nous avons abordé ensemble, treizième et dernier sujet pour le trimestre -là. Et le thème, c'est la fin de la mission de Dieu. Mais jeudi, nous allons de ensemble Apocalypse, la mission de Dieu dans les derniers jours. C'est portion ça que nous allons considérer ensemble pour jeudis jeudi qui c'est dimanche 24 décembre. Bien avant même que nous rentrions dans portion que nous allons jeudi, en nous prier. Nous bénissons l'Éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour tout ce qu'on fait pour nous et pour ça encore vous comptez réalisé dans la vie nous. Merci pour l'autre opportunité qui est accordée nous pour nous capable la connaissance de notre parole. Nous demandons déjà au Père que capable assister nous et permettre que nous puissions mieux comprendre la parole et hériter chaque jour dans l'obéissance avec volonté. Merci parce qu'au autant de nous, nous Jésus, nous prions. Amen. Mes amis, je vous remercie, je vous félicite, je vous encourage pour l'ensemble d'efforts efforts que vous avez fait jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers l'étude de l'école du sabbat. Mais pas pas, chaque fois que vous finissez d'étudier, plaisir pas, c'est toujours encourager, partager, étudier avec un courage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, capable de vivre. Étudiez le son école du sabbat. Si vous abonner? abonné, Et puis, alors, l'autre oui. monde faire même bien avec vous. Et tu ce maintenant, nous connaissons déjà. C'est numéro 13, la fin de la mission de Dieu. Verset à mémoriser. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hantez. l'avenman di Jou de Diyou. De Pia, chapitou 3, verse 11 et 12, tekst pou nou kapab memorize pou etude semen sa. Je di a, se Dimanche, 24 Desembre, Apokalips. La misyon de Diyou de le denye Jou, se posyon sa, ki nou pral konsidere ansam. Ebyen, pwemye lin ki nou jen nan liv Apokalips lan, li indike nou nou menm ki aple liv sa a, que livre s'est li centré sur sa nouvelle la mission de Dieu. Et c'est c'est ça que nous dans le livre là, livre l'a, la présenté nous la mission de Dieu. Maintenant nous va lire dans Apocalypse chapitre 1 verset pour ve, verset 7. Nous va regarder qui prouve qui gagne qui qui gagne et dans dans texte ça qui prouve nous que livre Apocalypse s'est li centré sur mission bon Dieu gagne et pour dernier jour, c'est la mission que bon Dieu gagne pour nous-mêmes qui venir à la fin des temps. Nous allons lire ensemble Parole de l'Apocalypse chapitre 1 verset 1 jusqu'au verset 7. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Et que celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et à qui fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nœuds, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Eh bien, après que après avoir révélé dans les, dans les premiers versets que Jésus était source et sainte livre l'Apocalypse, dans l'Apocalypse, premier verset 4 et verset 5, texte fait allusion avec trois personnes, il fait, fait référence aux trois personnes de la divinité qui évoluent ensemble, qui travaillent ensemble pour capable sauver les hommes. Noël, le Père, et, lui, il parlait le Père est l'Éternel. ki ete, ki e, et e ki vie, nou jwen le Saint-Esprit, ki evopu sa man nan de la zéglise du premier sèk, epi nou jwen jen rappele nou e eh ben statu Jésus-Christ ki se le témoin fidèl, le premier ney de mor, ki detyen le tit fonciè la propriété lègal de sèd planète. E eh ben nou e tentatif satan itilize tè sa pou kapap etabli wayom niyan Ça, les fini, les ruiner ruiné, plein, ça, il En plus de victoire que bon Dieu eh bien, remporté sur Satan, mais nous, le sang de Créateur, nous, en parlant de Jésus, eh il est capable de laver la culpabilité et il est capable d'enlever la honte. Nou Maintenant, nous pouvons lire dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Nous allons regarder que signifient les titres donnés au racheté dans ces versets. Les nous lire et paroles que nous jouons dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Nous lire ensemble parole paroles que nous jouons dans le texte. Nous allons ensemble. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Eh bien nous, objectif mission bon Dieu, hein, c'est pas simplement ban nous et la sécurité. C'est pas seulement la sécurité avec Silaso qui a péri, c'est pas seulement montrer mon dieu qui a péri, mais salut bon Dieu à tout, lui offrit eh bien yon yon statut nouveau et honorable parce que l'image de Dieu les restaurer dans nous. Lorsque ou acceptez eh bien, ça que Jésus fait pour vous, sacrifice lors d'accord pour venir servir de Jésus, comme un relo, dit dit, nous, les racheter, deviennent des rois. Parce que nous sommes liés au roi de l'univers par le saint versé par Jésus. Maintenant, en tant que membre de la famille royale, eh bien, nous venons rejoindre une mission famille royale, là, qui s'est sauvée, eh bien, l'homme pareil. Cela fait de nous des sacrificateurs qui... ke krisi men li fè de l'Eglise li an yon wayom, e mèmb nan chak l'Eglise a de fasyon individuel, se sakrifikater ki yo e. E ben, sou se mèmb wayom nan, e ben, ou se yon sakrifikater. E ben, nan Apokalips chapitou 1 verset 7, nou jwen urjens misyon sa. Sa ke, Jezu vyen, e nouwe nasyon yo, e ben, ap kriye pou ki sa, paske yo men yo pe di. Bon Diyo li a la rechèche de si la ou ki elwa nye de li mèm. E liv apokalips la, li ouvri donk sou la misyon de Diyo pou bon le zèd humè. Se la di pa da tout se mènen, nou pal gen posibilite pou nou wè. E ben nan fè misyon bon Diyo la, e ben ki sa liv apokalips la li mèm, li potè pou nou mèm. E nou pal gen posibilite tout se mènen pou nou dekouvri Eh bien à travers l'Ivre Apocalypse, mission que bon Dieu lui-même a gagne pour l'humanité. La réflexion que nous gagnons aujourd'hui, nous avons non seulement été créés par Dieu, mais nous avons aussi été rachetés par lui, et à un prix exceptionnel. Pourquoi cette vérité devrait-elle nous donner tant d'espoir, quelle que soit notre situation actuelle Nous avons non seulement été créés par Dieu, mais nous avons aussi été rachetés par lui et à un prix exceptionnel. Pourquoi cette vérité devrait-elle nous, nous donner tant d'espoir, quelle que soit notre situation actuelle Eh bien, amis, je dis à notre personne, Apocalypse, la mission de Dieu de l'année dernière. jours. Eh bien, à travers livre Apocalypse, pendant toute cette semaine, nous avons nous une mission que bon Dieu lui-même a lui gagnée. Et il n'y a pas que nous devons étudier, c'est que Bon Dieu fait nous venir, yon, yon sacerdoce royal, c'est-à-dire si nous-mêmes nous venons nous liés avec la famille royale, nous sommes sacrificateurs, nous appelés pour que nous capables collaborer ensemble avec bon Dieu. Une mission qu'il gagne pour capable sauver l'humanité. Apocalypse, la mission de Dieu dans le dernier jour, c'est pour ça que nous avons ensemble, aujourd'hui, à qui c'est dimanche, 24 décembre. Nous bénissons notre Père et notre Dieu. Merci pour révélation parole et dit nous jour après jour pour que nous soyons capables de comprendre et de mettre en application enseignement Seigneur fait grâce à l'écrit, nous sauvez-nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous même déjà, monsieur bonne étude, bonne journée et que Dieu vous bénisse.